On va essayer de donner le nom de cette molécule maintenant qui est un peu plus complexe que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc comme d'habitude, on commence par essayer de déterminer la chaîne carbonée la plus longue. Donc si je prends par ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbones. Si je vais ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbones. Et puis je peux aussi essayer de partir d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc en fait, la chaîne la plus longue, elle va avoir 10 carbones et je vais la repasser en jaune pour bien la mettre en évidence. Donc voilà, pour la chaîne carbonée la plus longue à 10 carbones, elle ne contient que des liaisons simples entre les carbones, donc on sait qu'on a affaire à un alcane. On va avoir la terminaison ane et en plus elle contient 10 carbones, donc on sait que ça va être le préfixe dec. Donc on a affaire à du décane. Voilà pour le squelette de la molécule. Et puis ensuite, on a affaire à trois ramifications qui sont portées par ces carbones là et là. Donc on va s'intéresser d'abord à cette première ramification ici. Elle contient deux carbones, un, deux carbones. Donc on va avoir un groupement qui est un groupement éthyle. Et puis celle-ci, cette ramification, de la même façon, elle contient deux carbones. Donc comme ici, ça va être un groupement éthyle. Et puis enfin, on a ce groupe-là qui est composé cette fois-ci de trois carbones, un, 2, 3 carbones. Et donc, on a affaire à une chaîne à 3 carbones. On peut penser que ça s'appelle un groupement propyle, hein, parce qu'on a vu qu'il y a 3 carbones, mais en fait, ça va être un petit peu plus compliqué, parce qu'on appellera ce groupement propyle, rattaché à la chaîne principale, uniquement si on a une chaîne linéaire de 3 carbones, comme ici, mais qui est rattachée à la chaîne principale par un carbone qui est en bout de chaîne, ce qui n'est pas le cas ici. Ici, le groupement propyle à 3 carbones est rattaché à la chaîne principale par le carbone du milieu du groupement à 3 carbones, par ce carbone-là. Et ce carbone ici, c'est un carbone qui est secondaire. Alors pourquoi il est secondaire? Parce que si on regarde uniquement ce groupement propyle, eh bien ce carbone ici est rattaché à deux autres carbones. On parle alors pour ce carbone d'un carbone secondaire. Si on avait ce carbone qui est rattaché à 3 carbones, on appellerait ça un carbone tertiaire. Et si ce carbone était rattaché à un seul carbone, eh bien on appellerait ça un carbone primaire. Donc ici, on a affaire à un carbone secondaire. Alors dans ce cas-là, eh bien, on utilise un préfixe supplémentaire qui est le préfixe sec pour bien indiquer que le groupement propyle est rattaché à la chaîne principale avec son carbone secondaire qui est le carbone du milieu. Alors parfois, on l'appelle tout simplement S-propyle. Et puis on a un nom commun qui est encore plus utilisé qui est le isopropyle. Ces trois noms, en fait, ce sont des noms d'usage de ce groupement propyle. On a une méthode plus systématique pour appeler ce groupement, qui utilise toutes les règles usuelles de la nomenclature des chaînes carbonées. Pour avoir le nom de ce groupement en nomenclature systématique, on doit trouver quelle est la chaîne la plus longue, commençant par ce carbone. Ici, les deux possibilités sont équivalentes, hein. On a 1, 2 carbones de ce côté-là, ou 1, 2 carbones de ce côté-là, donc voilà, je considère que ma chaîne la plus longue, c'est celle-ci. Elle est à 2 carbones. Donc comme elle est à 2 carbones, j'ai affaire à nouveau à quelque chose qui s'appelle éthyle. Et puis dans la nomenclature systématique, quand on a une ramification, eh bien on va numéroter les carbones. Et pour numéroter les carbones, on considère que le carbone numéro 1 de la chaîne que l'on vient d'écrire, c'est le carbone qui est attaché à la chaîne principale. Donc là j'ai le carbone numéro 1 et là j'ai le carbone numéro 2. Et sur le carbone numéro 1, j'ai cet élément-là qui est une ramification à un seul carbone. Donc j'ai affaire à un groupement ici méthyle. Donc sur le carbone numéro 1, j'ai le groupement méthyle. Donc voilà le nom de ce groupement en nomenclature systématique. Maintenant que j'ai le nom de toutes mes ramifications, eh bien il faut que je me pose la question, comment les ranger ici? Dans quel ordre je range l'ensemble de ces groupements? Pour ça, on doit numéroter la chaîne carbonée principale qui est le squelette de la molécule. La règle, c'est de numéroter cette chaîne de manière à ce que le plus de ramifications possibles portent des numéros de carbone le plus petit. Donc j'ai deux possibilités. Soit je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dans ce cas-là, sur le carbone numéro 5, eh bien, j'ai deux groupes. Et sur le carbone 6, j'en ai qu'un seul. Soit je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et dans ce cas-là, sur le carbone 5, j'en ai qu'un, alors que sur le carbone 6, j'en ai deux. En appliquant la règle, il faut que j'ai le plus de ramifications qui portent les plus petits numéros, et bien c'est cet ordre que je choisis. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Donc sur le carbone 5, j'ai deux groupements. J'ai le groupement éthyle et le groupement isopropyle ou un méthyl-éthyle en nomenclature systématique. Et sur le carbone 6, j'ai un groupement éthyle. Maintenant que j'ai attribué à chacune des ramifications un numéro des carbones pour le porter, il faut que je réussisse à les ordonner ici. La règle, c'est d'utiliser l'ordre alphabétique en considérant le nom des ramifications. Donc on garde la première lettre de chaque ramification. Là, j'ai un éthyle. Là aussi, j'ai un éthyle, donc c'est la lettre E. Et puis ici, lorsqu'on a ces nomenclatures d'usage, pour l'isopropyle, on considère le I. Mais pour le sec-propyle ou le S-propyle, on considérera le P. Et enfin, pour la nomenclature systématique, on considérera le M. Donc si je donne le nom maintenant en nomenclature usuelle, je dois mettre les deux éthyles en premier. Et au lieu d'écrire 5-éthyle, 6-éthyle, j'écris 5,6. Et j'utilise pour montrer que j'ai deux groupements éthyles, le préfixe di. Donc j'ai du 5,6 diéthyle. Ensuite, je place mon groupement isopropyle, qui est le cas sur le carbone 5, donc 5 isopropyle. Donc en nomenclature d'usage, j'ai le 5,6 diéthyle 5 isopropyle. Si j'utilise maintenant la nomenclature qui est systématique, j'écrirai de la même façon 5,6 diéthyle. Et puis sur le carbone 5, je mettrai le groupe 1-méthyl-éthyle. Et je finis par la chaîne principale, le décane. Donc voilà en haut pour la nomenclature d'usage. Et voilà en bas pour la nomenclature systématique de cette molécule.